Est-ce que yon chrétien ka manje sans bête? Est-ce que yon chrétien ka manje sans bête? Bonjour, bonsoir, salut, bien-aimé frère, sœur dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai Dieu d'éternité en éternité. Je dis à Saint-Esprit, mon Dieu, pral ban nou lumière sous. Question ça, est-ce qu'un chrétien qui a mangé sans bête? Alors, nous gagnons frère nous, frère Simon Saint-Paul, frère Pam, homme de Dieu, et te dit te pour te demander pour me faire lumière sur ça pour lui. L'homme me demande pour me faire lumière pour lui sur un point pas comprendre dans la Bible là. Et bien qui ça me fait? Donc on est nous pas dépendre de tête nous, égal qu'on y a là mal coup de bon Dieu. Et puis m'mandel l'autorisation, m'mandel feu vert. Et puis s'il bam feu vert là, et puis m'fèl. Donc me songe serviteur te poser mon question déjà, mais c'est pas tout de suite parce que cet esprit pote ko bam feu vert. Et puis qu'on y a là, bon, maintenant heureusement c'est jodi a là, il t'a posé une question et puis Saint-Esprit. Et parce que le plus souvent, il y a des problèmes, un pile problème, Et il y a un pile problème de Yoa. Eh bien, dans le secteur évangélique là, un pile fois, Saint-Esprit leur pose une question. Il m'a dit pour me faire lumière sur eux. Un pile fois, eh bien, papa m'a toujours bam autorisation pour me faire ça. Papa m'a qui c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, on répond à une question, non? Est-ce que yon chrétien ka manje sans bête? Selon sa serviteur bon Dieu a te dit, li remè ti san li an pil, et gan pil moun ki remè ti san yo tout. Moi même moi remè ti san tout. Est-ce que vous comprenez? Mais nan a fè religion, tant qu'on y a, m'ba jwenn san la, m'ba manje li, mais si m'jwenn ti san, m'ba manje li. Vous comprenez? Donc nan a fè religion, yon ti san, yon san gou, monsieur, nan a fè religion, moun y a fait moun souffrir parce que yo pa gen enseignement, mes amis. C'est ça le problème nan, oui. Yo pa gen enseignement. Li clair dans la Bible. Prédication pa mené moun nan ciel. Puis tout moun pa jamais dans des prédications nan vie ou. Mais ou toujours dans enseignement. Yes. Selon Acte 2 verset 38, Acte 2 verset 42, verset 38 41 42, surtout 42, eh bien, ou après, normalement, prédication n'est pas trop importante. Prédication va mener le monde dans le ciel. Selon Osée 4, verset 6, c'est enseignement qui mène le monde dans le ciel. Les nouveaux convertis persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain, dans les prières. OK? Donc, ça veut dire enseignement très, très important. Donc, c'est malheureux, là, où le monde n'a pas enseignement. Dans l'église, li, il n'y a pas d'enseignement, mes amis. C'est très, très malheureux. Donc, c'est grave. Parce que, selon Proverbe 29, verset 18, qui sa parole ça dit, Saint-Esprit dit dans Proverbe 29, verset 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ça veut dire, le peuple, dans l'ancienne alliance, il symbolise l'église, il veut dire l'église. Quand il n'y a pas de révélation, l'Église est sans frein. En disant de l'autre façon, quand il n'y a pas de révélation, l'Église est sans maturité spirituelle. Quand il n'y a pas de révélation, l'Église n'a pas de croissance spirituelle. L'Église n'a pas de progrès. Voilà. L'Église n'a pas de sanctification. L'Église n'a pas de purification. L'Église n'a pas d'avancement quand il n'y a pas de révélation. Selon Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Donc maintenant, à la lumière de la Bible, nous pourrons répondre à une question. Ça, est-ce qu'un chrétien a mangé sans bête? Qui va nous jouer un passage ça? Premier côté de jouer un passage ça, alors c'est la plus que nous connaissons. C'est dans Deutéronome. C'est la serviteur à te dire, serviteur bon Dieu à te dire, Deutéronome 12, verset 23. Mais moi-même, ma seule m'a ajouté 24 là. Deutéronome 12, verset 23 et 24.
Dans Deutéronome 12, verset 23 et 24, parole de Dieu dit, ou pas gen doit manger sans bête. Ou ka manger viande, mais pas manger sans. Qui l'autre côté ou jouen passage sans? Quoi parole ça? Ou jouen parole ça? Non, Lévitique 17. Lévitique 17, verset 10 à 16. Troisième côté ou jouen parole ça? Dans troisième passage encore, ou jouen ni dans Lévitique 7. Lévitique 7, verset 26 et 27. Ou ka manje viande bête là, quel que soit bête ou ka manje viande ni, mais ou pa gen doit boire sang. Mes amis, qui ça fait la Bible dit ou ka, attendez oui, qui ça fait la Bible dit ou ka manje viande bête là mon pa ka boire sang. Et si n'a regardé Piro dans Deutéronome 12 dans Piro dans verset 5. Si n'a regardé Piro dans verset 5 là, ou après le ça dans verset 5 ans, parole mon Dieu te même dit c'est pas tout côté qu'a adorer mon Dieu mais côté mon Dieu indiqué au côté le bon là hein c'est là où qu'a adorer seulement. Bon, ça c'était ancienne alliance. Songe nous te dit nous toujours dit l'ancienne alliance c'était pas la réalité. L'ancienne alliance dans le langage biblique, c'était la prophétie. C'était la prophétie, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire, pour qu'il y ait l'ombre, il faut qu'il y ait lumière. Et vice-versa, pour qu'il y ait lumière, il faut qu'il y ait l'ombre. Ça veut dire quoi? En disant de l'autre façon, l'ancienne alliance, là nous dit pas réalité, c'est comme si m'a parlé dans le langage courant, dans le langage, un exemple terrestre, un exemple courant avec nous. Nous avons dit nous ancienne alliance comparativement à nouvelle alliance là. Ancienne alliance, c'est qui ça était en photocopie. Et puis nouvelle alliance là, hein, c'est l'original. L'ancienne alliance, c'était la photocopie ou la copie, et la nouvelle alliance, c'est l'original. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous toujours dit ça. Le nom bagaille ancienne alliance, nous pas comprendre ni bien, c'est puisque c'est l'ombre selon 2 Corinthiens et selon Colossiens 2 verset 17, puisque c'est l'ombre, la nouvelle alliance c'est l'ombre selon Colossiens 2 verset 17 et Hébreux 10 verset 1. Et bien le mon bagage dans cette alliance me pas clair sous lui, me pas trop comprendre qui pas paraître clair pour moi. Et bien le m'a chercher clarté, hein, m'a chercher éclairage, m'a chercher lumière. Parce que l'enseignement est une lumière, et bien qu'on y a là, on prend la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance qu'on y a qui parle de lumière. Parce que la nouvelle alliance, c'est la lumière, hein, de l'ombre. Ça veut dire que c'est l'accomplissement de la prophétie dans l'ancienne alliance. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous comprenons? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on a bien gardé, dans Deutéronome chapitre 12, verset 5, on te dit plus haut, verset 5, ou après, parole de bon Dieu dit, côté bon Dieu dit pour l'adorer là c'est de la pour l'adorer. Pourtant qu'on y a là nous pour chercher lumière sous parole ça. Si n'a chercher lumière sous parole ça dans Deutéronome 12 verset 5 là, eh bien n'a joindre lumière ça parole ça dans Jean 4 à partir du verset 20 jusqu'à verset 24. Jean 4 verset 20 à 24. Côté que m'a mettre nous dans contexte là. Les Jésus t'a parlé à la femme, non, qui ça le dit? Il dit comme ça, apprivons-le, et le a gen arrivé déjà, côté que, ou pas pral adorer bon Dieu, ni sous montagne, ça, ni à Jérusalem. Raison. Il dit clair, il dit dans le passage là, parce que Dieu est esprit, quand on pral adorer bon Dieu, ou pral adorer en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. Voilà. Donc, est-ce que nous sommes clairs? Ça veut dire, les mouens dans l'ancienne alliance, là, dans Deutéronome 12, verset 5, ça c'est l'ombre, c'est la prophétie, c'est la copie, m'a cherché original, là, qu'on a besoin de lumière sous parole, ça, Deutéronome 12, verset 5, et bien, on va aller directement dans Jean 4, verset 20 à 24. Qu'on y en a continué.
Le qu'on y a là, nous, dans les plus bas, dans Deutéronome 12, verset 23, 24, c'est ça même qui verset de base, nous, verset central là, Deutéronome 12, verset 23 et 24, côté qui dit, comme ça, par la parole de Dieu, dit, pas manger viande bête là, et puis pour manger sans tout, pour qui ça? Il dit ça, parce que sans bête là, c'est nom bête là. Sans, c'est nom ni. C'est ça que fait le dit ça, oui. Sans, c'est nom, mais viande là, c'est un coup moi-même avec vous. Moi-même avant, la Bible dit nous avons trois parties, nous tripartites. Nous avons trois parties. Qui trois parties? C'est l'esprit, l'âme et le corps. Qui ça qui est plus fort dans trois parties? C'est l'esprit. Mais qui ça qui est plus dominant, qui est plus convaincant? C'est l'âme. Maintenant, écoutez, pour les chrétiens, pour les chrétiens, pour moi-même avant, qui ça qui est plus dominant, qui est plus convaincant, qui est plus fort en même temps? C'est l'esprit. Mais pour païen yo, pour les pécheurs, pour les méchants, qui ça qui plus fort, qui plus convaincant pour yo? C'est l'âme, raison. Parce que esprit hein, c'est lui-même. Attendez, bamba nous conseille ça. N'importe quoi faire dans vie ou n'importe quoi pas le faire. N'importe quoi pas le faire. Quelle que soit idée négative qui vient dans tête ou, il sortit directement dans l'amour parce que c'est l'émotion. C'est le centre de l'émotion. N'importe mauvaise idée fait sortir directement dans l'amour parce que esprit bon Dieu te met en dedans on dans Genèse 2 verset 7 là esprit ça li c'est l'esprit bon Dieu il est ça Zoé c'est Zoé le terme esprit ça bon Dieu te souffle en dedans dans Genèse 2 verset 7 il te souffle en dedans moi-même avant qui fait nous venons âme vivante ou bien être vivant selon version biblique là et bien esprit ça il pas tromper c'est lui même qui plus fort. Le plus fort et le plus convaincant pour les chrétiens, mais pour les païens, c'est lui-même qui est plus faible. Et c'est ça qui fait l'homme un païen, ou après plus fait mal que bien. Le plus facile pour faire mal que bien, il fait plus mal. Pourtant, le chrétien, cet esprit convaincu, esprit ça, souffle de vie ça. Jésus, et bon Dieu, t'es soufflant dans la Genèse du verset 7 là. Qu'on y a l'homme inaccepté, vieil homme ça, qui t'en donne, qui t'est exactement. Abdominé sur l'esprit, et bien qui ça bon Dieu fait, il vient mettre qu'on y a là l'esprit pâle qui c'est l'onction selon Acte de 38 et 1 Jean 2, 27, et bien c'est lui-même qu'on y a qui vient convaincre en dedans. Qu'on y a un chrétien, moi-même avant, nous plus fait bien que mal parce que l'esprit a vient dominer sur nous. Est-ce que nous comprenons? Mais l'ennemi de Yoa, c'est nous qui est plus dominé sur l'esprit. Parce que qui ça qui est plus fort? C'est l'esprit, hein? Qui baille nam nan même li baille koa et puis koa exécuter. Ça veut dire le plus souvent les moun nan pa yen koa li soumet à nam ni. Pourtant leur chrétien koa et corps et nam yo soumet à esprit à l'onction de Dieu. Donc maintenant c'est ton petit parenthèse tout petit, m'était ouvert et pour nous comprendre. Attendez bien oui. Dans Deutéronome 12 c'est la noter, revenons à nos moutons. Dans Deutéronome 12, versets 23 et 24, eh bien, qui ça dit? Pas manger viande bête, parce que viande bête là. Alors, je peux manger viande bête, alors, excusez-moi. Je peux manger viande bête, mais pas manger sans bête. Raison, parce que viande là, c'est lui-même qui symbolise corps. C'est comme. OK? Pourtant, sans bête là, c'est lui-même qui n'a ni. Or, nous connaissons n'a ni, c'est lui qui vient. Selon Ézéchiel, 18 verset 4 et 20, eh bien, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça veut dire, si nous finissons manger, viande bête, nous ne pouvons pas boire ça parce que sans c'est lui-même qui n'aime. Mais pour qui ça, toute parole ça? Ah, mais nous, pour nous, jeune lumière sous parole ça, qui dans Deutéronome 12 verset 23 et 24 là, eh bien, pour nous, jeune lumière, eh bien, nous pourrons jeune lumière directement dans Hébreux 9 verset 22 et 23. Nous pouvons lui jeûner dans Hébreux 9, verset 22, et surtout. OK? Même Jean Taler, pour Deutéronome 5, nous te jeûne lumière dans Jean 4, verset 20 avec 4. Eh bien, qu'on y a là, pour nous jeûner lumière sous parole ça, puis manger sans bête là, c'est viande bête là pour manger. Eh bien, pour bien comprendre, pour qui ça, parole ça, eh bien, je vais aller directement dans Hébreux 9, verset 22. Qui ça, Hébreux 9, verset 22 dit? Hébreux 9, verset 22 dit, c'est normal parce que
Et sang est très, très précieux dans l'ancienne alliance. Ça fait le précieux. C'est parce que sans effusion de sang, sans effusion de sang, sans pas répandre sang, sans pas couler sang, hein? Et parfois c'est à travers l'aspersion, surtout, eh bien, pas de pardon pour péché, pas de pardon pour iniquité. Sang est très précieux. Or, qui ça sang symbolisé dans l'ancienne alliance? Il était symbolisé vie Jésus. Oui, sans bête là, il était symbolisé sans Jésus. C'est ça que fait nous dire. L'ancienne alliance, c'est l'ombre. Ce n'est pas la réalité, c'est l'ombre parce que c'est Jésus qui est la lumière. Ça veut dire, chaque fois qu'on parle dans Deutéronome 12, verset 23-24, et Lévitique 17, verset 10 à 16, Lévitique 7, verset 26 et 27, chaque fois qu'on parle de bête, dans l'ancienne alliance. Bête ça, c'est de Jésus, il a parlé. Chaque fois il a parlé de sang pour pas manger. C'est de sang Jésus, il a parlé qui est tellement précieux, qui est important comme ça, oui. Frère Maxime, vous captez là. C'est de sang Jésus. Tendez. Selon Ésaïe 53, on va l'expliquer samedi à côté de Mjouni, parce que je ne sais pas la théologie, je ne suis pas docteur en théologie, je suis docteur en Jésus-Christ. Je ne suis pas docteur en théologie, bien heureusement. Je vais expliquer, ça veut dire que chaque petit samedi, il faut me dire que je vais référer à ça. Moi, je dis, depuis qu'il a parlé de bête dans l'ancienne alliance, bête ça, c'est de Jésus. Depuis qu'il a parlé de vienne bête, à 100 bêtes, et de Jésus, il a parlé. En bien, nous parlons, quand je dis ça, quand je viens de parler de ça, moi, je dis dans Ésaïe 53, verset 7, qui dit qui ça? Il parlait de Jésus, bien, qui symbolisait agneau. Ça, nous comprenons. Agneau, mais pourquoi il mollait, non? Il pourquoi il mollait? Lire les agneaux immolés, l'aile pour lire les immolés, c'est après molle, après la molle. Ça veut dire col, dans mes Ésaïe 53, oui, col pour le briser. Ça c'est vienne bête là, vienne agneau, les sang qu'on y a là. Attendez, oui, col pour le briser, et puis les sang fin couler, et bien les ça, ils viennent les agneaux immolés. C'est ça que fait dans Ésaïe 53, verset 7, là, la parole de Jésus. Hein? De Messie, où elle dit comme ça, elle dit comme un agneau, comme un agneau. Où elle dit comme un agneau. Parce que c'est l'ombre, c'est prophétie. Ça veut dire, c'est ça, une révélation profonde. Hein? C'est ça, une chose cachée. Est-ce que nous comprenons? Chose cachée. Donc, selon Luc 10, verset 21, on ne peut pas comprendre la Bible avec propre intelligence ou avec propre sagesse. Pas non. Bon Dieu, caché. Il cache parole, il cache révélation à monde qui met dans tête yo sage intelligent et il révèle yo à petit monde qui baisse net jusqu'à terre qui met dans tête il pas qu'on rien révèle à petit en aller. Eh bien ouais quand je une parole ça et puis qui bon je encore qu'on y a moi je thème et expression agneau immolé après Jésus fin mourir en ben m'a jeune plusieurs côtés dans Bible oui en particulier dans Apocalypse 5 Apocalypse 6 Apocalypse 13 m'a joine agneau immolé m'a dit après la mort de Jésus. Ça veut dire qui ça? C'est raison ça qui fait parole bon Dieu te dit manger viande bête là mais pas boire sang raison parce que santé m'a pas manger sang parce que santé tellement précieux ça vel c'est lui pour c'est lui pour effuser, ça veut dire pour répandre, c'est lui pour couler, c'est lui pour asperger pour monde capable joine pardon leur fait péché, leur fait iniquité. Est-ce que nous comprenons? Donc, quand il y a là, qui bon je une lumière ça, moi je une lumière ça exactement dans chapitre dans chapitre 9, dans Hébreux 9, verset 22. Ça veut dire, dans Hébreux 9, verset 22, moi je une lumière sous raison qui fait, moun pat ka manger sans bête là. Et quand il y a dans verset 23, il va le faire, moun konne, moun va commencer à comprendre. Moun va commencer à comprendre. Dans verset 23, on peut manger sans bête. Mais avant tout, pour qui ça Jésus, qu'on y a là, mettait fin, selon Romains 10, verset 4, Christ est la fin de la loi. Pour qui ça mettait fin dans la loi mosaïque là? Pour qui ça mettait fin dans cette alliance là? Il vient à une nouvelle alliance, selon Hébreux 9, verset 15. C'est parce que l'ancienne alliance là, c'est pas la réalité, c'est lui-même qui est réalité à Jésus. Jésus est la lumière du monde. Est-ce que nous comprenons? C'est ça que selon Hébreux 9, verset 15, il vient avec une nouvelle alliance. Je dis Nouveau Testament, je dis Nouvelle Alliance. Parce qu'il n'y a pas de testament, pas de testament.
OK? Il n'y a qu'un seul testament, le testament de Jésus-Christ, qui commence dans Actes des Apôtres et finit dans l'Apocalypse. En passant, dis-nous ça. Donc, il y a deux alias, mais il n'y a qu'un seul testament. Donc, Jésus, qu'on y a là, c'est ça que fait, il vient avec une nouvelle alliance, parce que l'ancienne alliance, c'est l'ombre de la lumière qui c'est la nouvelle alliance, selon Hébreux 9, verset 15. Qu'on y a là, dans Hébreux 9, verset 23, il pourrait dire, il était donc nécessaire. Donc, il était nécessaire, il était important, il était une obligation pour monter, éviter manger, pour ne pas manger sans bête. Parce que sang, c'est avec pour, c'est pour couler, pour pécher pardonner. C'est lui pour asperger, c'est lui pour effuser, pour pécher. Tu es capable d'effacer malgré ce n'est pas éternellement, même pas Jésus, malgré ce n'est pas en permanence, malgré c'était provisoirement. Ce n'est pas pour toujours. Ce n'est pas à perpétuité, ce n'est pas perpétuellement. Est-ce que nous comprenons? Donc maintenant, verset 23 dans Hébreux 9, pour le dire comme ça, il était donc nécessaire. Donc c'est Gauthier Mounouye, nous comprenons et français, nous comprenons tant verbe, pas vrai? Il était, il va dire il était. Ouais? Donc s'il dit il est, nous ne tapons toujours pas manger viande. Mais il dit il était donc nécessaire, qui raison? Parce que tout bagaille qui est dans le ciel là, il faut être purifié par la foi façon ça. Avec 100 bêtes là, qui était symbolisé sans Jésus, qui était gagné pour le vin immolé pour nous, qui c'est l'agneau immolé. Vous comprenez? Qui c'est l'agneau immolé. Selon Apocalypse chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 13. Donc maintenant, si vous avez un monde qui n'est pas trop clair sur Hébreux 9, verset 23, qui dit qu'il était nécessaire, ça veut dire qu'on y a là, s'il était, il n'est pas nécessaire encore. Ça veut dire qu'on est capable qu'on y a. Manger sans bête. Mais c'est sûr que les gens qui peuvent dire, mais ça n'a pas suffi, ça n'a pas convaincu assez pour manger sans bête. En bien qu'on y a Jésus pour éclaircir, pour clarifier pour qu'on y a. Jésus qu'on y a pour les gens qui peuvent dire, Hébreux 9, verset 23, pas clair pour lui, pas trop clair pour lui, et bien qu'on y a Jésus pour aller dans Luc 22, verset 19 et 20, Jésus pour aller montrer qu'on y a lui-même qui c'est réalité, qui c'est lumière, lui-même. Ouais, il faut qu'on même il passe au l'ordre pour manger col pour boire sang. Lui même qui c'est original là, il pas copié non. Il dit pour manger col pour boire sang. Donc si mon ca manger col Jésus qui c'est lumière là, qui c'est réalité là, mon ca boire sang qui c'est nom qui c'est ville, eh bien mon ca manger sans bête. Donc selon Hébreux 9 verset 23 et Luc 22 verset 19 et 20, et apôtre Paul encore pour le confirmer. Ça fait trois références selon 1 Corinthiens 11 encore, versets 24 à 26. On ne peut pas manger sans bête. On ne peut pas manger sans bête. Parce que Jésus m'a droit. Yes, parce que bête là, tu es symbolisé. Qui était humble, lui-même, c'est réalité. Qu'on y a lui-même, il passe l'ordre pour toujours manger col, toujours boire sang jusqu'à ce qu'il vienne. Yes. C'est au contraire, c'est quoi même qui fait repas, c'est ça nous le repas du Seigneur. C'est lui-même l'Église après la scène, il a pris les saintes scènes, non, oui. C'est le repas du Seigneur. Repas Seigneur, c'est col avec sang. Donc, l'elle parle de pain. Pain, c'est col, il symbolise. L'elle parle de coupe. Coupe là, c'est col. Est-ce que nous comprenons? Coupe là, c'est col. Et puis, sang, ou bien, dans coupe là, c'est ça que le monde fait. Ou pas du Seigneur qui a fait sainte scène avec Piltigol, avec et gros pot qui pas comprendre coupe là. Yo prend gros pot yo, gros récipient yo, et puis gen malgré ça yo fait hypocrisie yo. Est-ce que comprendre les gen corona dans moment corona là, yo obligé dans tout dans bay ti cop même j'a tout côté yo t'a qu'on a critiqué côté bay ti cup yo. Et bien qu'on y a là. Ouais, malgré ça oui, et comprendre yo pas comprendre pas gen révélation parce que coupe là symbolisé quoi Jésus. C'est en dedans quoi Jésus s'en sorti. Est-ce que vous comprenez? C'est de symboliser quoi? Ça veut dire tout le monde boit sans dans le col. C'est ça qui veut dire toutefois que vous en boirez. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire, selon Hébreux 9, verset 23, Luc 22, verset 19 et 20, 1 Corinthiens 11, verset 24 à 26, moi, qu'à manger sans bête qu'on y a. Yes! Et qu'on y a là, grand pile fausse religion, fausse doctrine de yo, qui gon, même si yo gen maman yo, papa yo,
a mouri l'allemand quand il goûte ça, il dit pas baili parce que c'est péché la Bible bavli. Moi-même, moi pral montrer nous selon la Bible au cas bay moun sang s'il malade. Oui, au cas bay moun sang s'il malade. En allez, selon Jean 15 verset 13. Jean 15 verset 13 dit il y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. On dit de l'autre façon, nous c'est gros timoun, nous comprenons français. Il y a de plus grand amour que de donner son âme, que de donner son âme pour ses amis. Est-ce que nous comprenons bagay là? Donc mes amis, Lord dit, attendez bien, oui, Jean 15, 13, il y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus te dit, lui, on y attendez. Qui ça saigne? On allait selon la Bible. Qui ça saigne? Selon et Deutéronome, verset de base, selon Deutéronome 12, verset 23, sans bête là, c'est namni. On y a qui ça namnaï? Eh bien, namna, c'est vie ou. Namna, c'est moi-même, c'est vous-même, selon Ézéchiel 18, verset 4 et 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la personne qui pêche, c'est celle qui mourra. On dit de l'autre façon. La personne qui pêche, c'est celle qui perdra sa vie. Est-ce que nous comprenons? Donc, mes amis, attention. Attention à la fausse doctrine qui est dehors. Oui, si on fait malade, on zami malade, on kabay sang pour lui, on kabay n'importe moun sang. On kabay n'importe moun sang s'il manque sang. Ça, c'est fausse doctrine. C'est doctrine diabolique. C'est doctrine satanique. Parce que, quand on connaît, c'est ça que fait la Bible, les méchants moun sa yo. Les méchants qui ont dit, pour maman, ou frère, ou soeur, ou zami malade, pour yon ben kon ti gout sang. C'est ti gout sang kabal la vie, puis pour dire la Bible, parce qu'on pas un enseignement. Vous comprenez? Parce que c'est son esprit démoniaque qui est en dedans. Parce que l'esprit démoniaque qui est en dedans, il fait le méchant. Il fait qu'elle dit. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas un enseignement pour elle fermer, la garder, mon n'a racler le petit goût de celle qui a été capable et puis il dit la Bible. Il prend le dit la Bible. Pendant ce temps, la Bible, c'est pas ça. Il dit la Bible. Dis, moi, je suis vim pour Zamim. Moi, je suis sam pour Zamim. Je suis nam pour Zamim. Selon Jean 15, verset 13. OK? Donc, Jean de Théonome 12, verset 23, dit, il dit, pour que ça ne va pas manger sans bête, dans cette alliance, avant Jésus te venir, qui te symbolise Jésus. Il dit, parce que sans, il bien expliqué, sans, c'est nam bête là. Oh, nam nan, c'est mon nan même. Nam nan, c'est vie. Nam nan, c'est mon nan même. Jésus, mes amis. Bon, attendez. Et là pour nous, c'est doctrine démoniaque, c'est doctrine satanique qui fait bagage. Jésus, li bay kol pour nous. Jésus, li bay sang pour nous, le verset sang pour nous. C'est ça que fait, et je me songe avec serviteur, frère moi, ingénieur Teril. Et c'est ça que fait, pile moun, a dit au nom du sang verset de Jésus. Tellement vous connaissez sans Jésus précieux, dit au nom du sang verset de Jésus. Mais malheureusement, la Bible ne parle pas ou prier ou terminer prier avec expression au nom du sang verset de Jésus. C'est tellement vous connaissez précieux, li important. Sans Jésus, c'est vie Jésus même, oui. C'est ça que fait toujours du Jésus, by ville pour vous. Pourquoi ça dit vie? Parce que by sang. Parce que sans c'est lié vie, c'est ça que fait lui même à boucher d'où comme ça. Pas de plus grand amour que by vie pour vos amis. Même j'en ai même été by ville pour nous. Hein. La paix bon Dieu avec nous, mes amis. La paix bon Dieu avec nous. Que cet esprit ouvert l'esprit nous. S'il vous plaît, lis référence pour moi. Bah, me rappeler nos lectures pour nous faire qui référence pour nous lire. En aller. Premier quand on parle faire lecture pour moi, c'est qui c'est verset de base nous. On va faire lecture pour moi dans Deutéronome chapitre 12. S'il vous plaît, on met le chapitre là net. Attendez. Alors verset clé, c'est verset 5 avec verset 23 et 24. On met le chapitre là net pour moi, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 12. OK, donc on va faire lecture dans tout chapitre là. Mais verset clé c'est verset 5 qui dit côté bon Dieu dit pour m'adorer, c'est là pour m'adorer et puis qu'on y a là avec verset 23 avec 4. OK? Maintenant, deuxième côté je ne parole ça je ni dans Lévitique 17. Lévitique 17, OK? À partir de verset 10 à 16. Troisième côté on va faire lecture, on va faire pour moi dans Lévitique 7 verset 26 et 27. Et maintenant
Et quatrième, quand on fait lecture, qui c'est réponse à Deutéronome 12, verset 5 là, c'est Jean 4, verset 20 à 24. Quatrième côté. Cinquième côté, on fait lecture pour moi, qui c'est réponse à Deutéronome 12, verset 23 à 24. Eh bien, c'est Hébreux 9, verset 22. Hébreux 9, verset 22. Et sixième côté, on fait lecture, Hébreux 9, verset 23. Septième côté, Hébreux 9, verset 15. Huitième côté, on fait lecture, c'est Colossiens 2, verset 17. Neuvième côté, Hébreux 10, verset 1. Dixième côté, on fait lecture pour moi, on fait lire dans Luc 22, verset 19 et 20. Et onzième côté, on fait lecture pour moi, on fait lire dans 1 Corinthiens 11, verset 24 à 26. Douzième côté, on fait lecture pour moi, on fait lecture, douzième côté, on fait lecture pour moi, on fait dans Jean 15, verset 13. Treizième côté, on fait lecture pour moi, on fait dans Ézéchiel 18, verset 4 et 20. La paix, bon Dieu, avec nous. La paix Jésus bail là avec nous selon Jean 14 verset 27. Que Saint-Esprit couvre nous, qu'il garde nous, qu'il protège nous, qu'il sécurise nous. Que Saint-Esprit règne dans la vie nous, dans la vie famille nous. Que Saint-Esprit bon Dieu préserve la vie nous de tout danger. Et que Saint-Esprit bon Dieu au nom de Jésus garde nous, garde vie famille nous pour nous vivre tant que vrai nous vivre là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye, à demain si Dieu le veut. Pour un prochain enseignement.